Je viens de vous sauver la famille. Venez avec moi, je sais qu'il y avait de la pluie. Je n'ai pas trop laissé longtemps, ça va? Les frères, je crois que j'ai eu une excellente idée. Pour certains, et une mauvaise idée pour d'autres. J'appelle ma femme, je lui explique tout de suite. Allô? Ça va ma chérie? Ça va et toi, Alice? Ça va, je t'ai manqué à ce que je vois. Oui, et toi, je t'ai manqué? Oui, de fou malade. Je veux dire, tu fais quoi demain? Bien et toi? Bah écoute frère, je suis avec ma petite caméra là. J'ai décidé que tu étais mon âme sœur et que tu m'apportes énormément de bonnes choses dans ma vie. Hein? Écoute, j'ai décidé, je vais te rendre tout ce que tu m'as donné. Donc, ma. Mariage. T'as dit quoi? T'as me demandé un mariage? Écoute, tu fais quoi demain? Demain, je suis là et je mets une robe pour la demande en mariage. Ouais, ouais, mets une robe demain, t'as raison. Ouais, en vrai de vrai, mais ouais. Oh là là! Hey, t'as dit toi? Je t'aime de ouf! Demain, habille-toi propre, ma chérie. Habille-toi clean. Mets-moi une robe. Mets-moi des talons. Mets-moi ce que tu veux. Eh, hey, Camé, demain, je t'emmène passer une nuit de rêve. Non, non, je te parle grave, sérieusement. Juste sois là, c'est tout ce que je te demande. Ah non, bah où? On va aller dans un milieu ergonomique, sarcastique, tout, tu vas kiffer. Ah, tu penses à ou pas? Ouais, je te parle grave, ça, wallah. Ok, vas-y, m'habille comment? Je vais m'habiller comment? Habille-toi en robe, c'est bon? On s'attrape demain, ok? Ok, vas-y, m'habille, je t'aime. Oui, moi je t'aime, mais dis-leur bien bien que tu m'aimes et au revoir et dis-leur que je suis vraiment le meilleur des mecs. Oui, c'est vraiment le meilleur des mecs de tout le cœur. Voilà, t'as vu ce que je fais pour toi? Ok, vas-y, bisous. Elle a rien compris. C'est carré. Bon la famille, comme vous savez, j'ai appelé Camélia, je viens de lui dire ce que vous avez vu au téléphone. Et là, ce qu'elle sait pas, c'est que ce que je lui prépare, c'est, je pense, la pire nuit de toute sa vie. Vous allez comprendre tout de suite. La famille, je suis à Decathlon, j'ai honte de ouf. Et là, je dois acheter énormément de trucs. Bonjour. Bonjour, tu fais quoi? Comment ça, je fais quoi? Bah, non, tu fais pas le magasin comme ça, monsieur. Je filme pas le magasin, je me filme moi. Bon, ça m'a l'air... Ça m'a l'air compliqué de filmer. On m'a perturbé de ouf. Il faut que je prenne des cahouettes. Bon, la famille, c'est une nuit en forêt. Hein. Je vais prendre des tentes à 95 euros. Tiens, 30 euros. Une ou deux? Deux, ça fait 60. Les gourdes Maiji. Sac de couchage, le moins cher, 14 euros. Olé. Ah, ça, il en faut deux par contre. HM. Moi, je suis pas un fils de pute. Hein. Quand même pas. 4G est chargé. Hein. Putain, on a même pas fini encore. Bon, la famille, là on va prendre mon petit bijou que j'ai envie de prendre depuis... Elle me défonce les doigts la caméra. Mais il me faut un vendeur, je sais pas si je pourrais filmer. Je suis obligatoire de le prendre, c'est obligé ça. Ça c'est obligatoires. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment on fait pour acheter ça ici? Vous êtes majeur? Ouais, bien sûr. Il y aura une pièce d'identité? Ouais, je l'ai sur moi, ouais, je l'ai sur moi, y a pas de soucis. Un opinel comme ça. Un opinel. Ouais. Deux, j'en prends deux s'il vous plaît. Bon, les fois, on est dans la voiture, les mecs, je... Au nom de Dieu, mets un pouce bleu, abonne-toi tout de suite, mon frère. T'as vu là, frérot, avec tout ce que j'ai fait, les prises de plan, les trucs comme ça. Oh, je suis solo. Oh, moi, meilleur qui me... Ah, je peux dire mon couteau maintenant, parce qu'on a pété un opinel. J'en avais un, mais vas-y, HM, on me l'a pris. Les frères, eh bref, vas-y, c'est maintenant. Lâche ton pouce bleu, abonne-toi. Les mecs, j'ai tout acheté, c'est maintenant. La prochaine transition sera demain, directement avec Camélia. Elle ne sait toujours pas où on va. Moi, j'ai tout pris. Donc, comme ça, demain, on lui annonce ensemble. Vous êtes prêts ou pas? 3, 2, 1, en forêt. Ah non, on sera pas en forêt, je serai juste avec elle. 3, 2, 1. Oh putain, c'est le jour J, il est actuellement 7h07. C'est maintenant, on va aller voir la forêt avec Camé, je viens de me lever et c'est une blague du con, ça fait 1h47, je suis levé mon frère. Il est 15h48, je sais pas si tu peux voir, je me suis pas réveillé, attention l'iPhone, attention l'iPhone. J'ai tout préparé et par contre quand je regarde le temps dehors frérot, il pleut. Ça m'a l'air d'être une galère de ouf, il pleut. Camé elle pense toujours que c'est toujours bon, la bête de truc et tout, mais il pleut. Les mecs, nous arrivons dans... Hey, y a pas de connexion frère. Oh, les mecs, je suis solo, moi mes couilles et mon frérot qui me filme. Mais les mecs, y a zéro connexion. Frère, tu sais quoi, je vais vous dire la vérité la famille. Je vais vous dire la vérité des vérités. Hier, j'ai été dans une forêt et il se fut que j'ai fait demi-tour parce que j'ai eu trop peur. Vraiment tout seul, c'était incroyable. En mode, j'avais même pas pris de caméraman avec moi les frères. Là encore, là ça va, c'est la journée. La nuit, les mecs, elles tombent dans une heure. Je dois arriver, faire ma tente, faire mon feu, explorer un petit peu les alentours pour voir ce qu'il y a. Bonjour, excusez-moi, Georges. Vous venez souvent ici? Moi, je connais. Ok, je veux juste savoir, est-ce que vous savez s'il y a des sangliers, etc. dans la forêt? Des sangliers? Ouais. Oui. Dans la forêt, il y en a fréquemment des sangliers. Ouais. Fréquemment? Oui, dans la forêt, si, il y en a fréquemment. Je te présentais ce que j'ai acheté.
Vas-y. Ouais. La famille, nous sommes arrivés. Je suis tout seul. Moi, mes cochons, les mecs. Et mon frérot qui me filme pour dormir dans cette fucking forêt. Les frères, je vous dis la vérité, j'ai vraiment peur de fou malade. Il y a des. Oh putain, pourquoi elle roule doucement? Pourquoi elle roule doucement, frérot? Elle a pas roulé doucement là en vrai de vrai. À part si elle veut nous faire quelque chose, c'est. Ok, c'est bon, c'est des yeux, j'ai fait coucou. Ok, déjà, on commence déjà à se faire des amis, les frères. Écoutez, les mecs, je vais ouvrir le coffre sans plus tarder, parce que les frères, la nuit va bientôt tomber, les mecs. On doit faire notre habitat, les mecs. On doit mettre notre habitat, on doit mettre le feu, on doit mettre trop de trucs. Je vais vous présenter ce que j'ai ramené pour cette nuit en forêt, les frères. Tout de suite, maintenant, les mecs. Un polaire, tu vas me dire, mais prends un polaire. Ah bah, un polaire vert, frérot. Pourquoi vert? Parce que la nature est verte et il faut se fondre dans la nature, frérot. Rien de plus. Rien de moins. Des côtelettes, mon frère, la putain de sa mère, elles sont gelées, on dirait des briques. Des côtelettes, les frères, pourquoi des côtelettes? On va manger quoi, mon frère? De la bonne viande. Et pour attirer les animaux aussi, les mecs. Comme ça, si on peut nourrir des animaux pour se faire des amis et tout. Si on, je vais arrêter, les mecs, si on peut se faire des potes ce soir, c'est artiste. Une petite gourde, les frères. Petite gourde pour boire, je pense qu'on aura soif, les frères. Logique, un sac de couchage, j'en avais pris deux pour moi et ma chérie, mais bon. Je me demande où elle est. Elle est pas morte, hein, pas du tout. Mais juste, elle est pas là, frère. Des allumettes, frérot. Pourquoi des allumettes? Fume avant que la vie te fume. C'est profond. Ça fait prendre feu dans la voiture? Oui. Oh putain, le con. Les frères, un gros anorak quechua, les mecs. Au cas où il pleut. Parce que il pleut ou pas, frérot. On va le faire, qu'il pleut ou pas, mon frère. On va le faire quand il arrive, mon frère. Le bas aussi vert, mon frère. Pourquoi vert? Tout est vert, tout est vert, tout est vert. Frérot, tout est vert pour se fondre dans la nature. Aujourd'hui, c'est KMS en nature, mon frère. Les mecs, lampe torche obligatoire. Hein. Mais la lampe torche, elle est balèze, hein, mon frère. C'est lampe torche, mais aussi au cas où il y a un sanglier qui passe par là. Ta grand-mère. Comme ça, au moins, il revient plus, les frères. Que je vais vous montrer tout de suite, les frères. C'est le plus important. C'est vraiment ce qu'il faut à tout prix et que je voulais avec moi et ma copine. Malheureusement, je vais le faire solo. J'aurais bien aimé le faire avec elle. Des machamalos, les frères. Des quoi? Des machamalos. Les mecs, c'est. Pff, je m'imaginais déjà. Petit bâtonnet, petit feu de camp. Il grille un peu. Tiens, ma chérie, prends-le. Ah, c'est chaud, Kémis. Ah, j'ai pas fait exprès, désolé, tu vois. Mange-le quand même, peut-être. Ah. Si ça peut vous permettre d'apprendre un truc. Faites les choses seules, ne dépendez de personne, parce que si les gens vous plantent, ça plante tout. Alors que si vous êtes seul, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Oh la tente, mais je suis con moi. Une tente, frérot. À défaut d'avoir la tente à 2V, et ben on a la tente pour dormir, les frères. Et ça c'est incroyable, les mecs. Je vais la vérité, j'ai pris la moins chère à Decathlon à 30 balles. Maintenant je vais vous montrer une dernière chose qui, les mecs, c'est plus important. Je vais dire, mais pourquoi t'as fermé les coffres, frérot? Tu dois me montrer un truc. L'Opinel, ce n'est pas le 12 ni le 13, comme beaucoup disent dans leur clip de rap. Non, je ne suis pas un boucher, mais je suis un survivant. Ceci est l'Opinel 8, ça me permettra de repousser tout ennemi qui viendra vers moi. Quand je dis ennemi, je parle bien sûr de ta grand-mère et de couper mon entrecôte, les frères. Oui, oui, parce que j'ai pris des entrecôtes et voilà, c'est seulement pour ça qu'on a un Opinel. Donc les mecs, on se retrouve juste après, bien en tenue et en immersion. Oh, ça t'a répondu. À droite. Les frères, le temps est grave. La nuit tombe sa mère. J'ai pas encore fait ma tente. Le caméraman il va bientôt partir, les frères. Il est pas avec moi cette nuit là. Je vais dormir tout seul cette nuit. Il y aura personne avec moi. Les mecs, je dois faire mon feu, monter ma tente. Pas la tente à deux verres, hein, mais la mienne. Mais j'ai trop de trucs à faire là. Je dois cuire mes côtelettes, mes petits chamallows. La famille, on peut encore bien, les frères. Regardez, les mecs, la nuit, je vous jure que c'est pas une expression. Tu la vois tomber. La nuit, les frères, tu la vois tomber, mais de fou malade. Chaque 5 minutes, j'ai l'impression d'un coup, boum, baisse de luminosité. Comme le téléphone. Regardez, attendez. Je vais vous montrer où on est. Les frères, on voit rien de A à Z, les mecs. Donc les frères, il faut que je monte la tente le plus vite possible et il faut que je commence à allumer mon feu le plus vite possible parce que la nuit, ça va être une galère de fou malade sinon. J'imagine même pas, les frères. Je vous jure que là, c'est la course, on se la montre. Il est quelle heure actuellement? J'ai mon téléphone sur moi. Il est actuellement 17h30. 17h30. La nuit tombe à 17h09. Donc là, je pense que d'ici 10 ou 15 minutes, il y aura plus de trucs. Il y aura plus de lumière, tout court. Non, mais... Vous, non, en général, quand vous venez en forêt, vous faites quoi? Ah, promène comme ça, ouais, vous avez raison. Ah, il y a des sangliers que t'en as déjà vu? Ah ouais, mon pote, il en a tué deux hier. Comment? Ils l'ont tué vers Saint-Maximin. Non, j'ai eu la lampe, c'est quoi, bizarre. Hein. Non, c'est nous. Ouais, le cerf, il a se barré. Par contre, le sanglier, il a pas se barré. Il a troncé dans le tas, direct, automatiquement. Mais ici, ça va, ici? J'en ai vu une vingtaine, ici. Vingtaine de sangliers? Pour pas faire du bruit, éteins la lampe. Ah ouais, hein? Ah bah, il y a une dernière fois, d'ailleurs. La lampe et la bouffe. Ah, la bouffe, plusieurs, la merde. Ah, merci chef. Ah ouais, merci chef. C'est vous quoi? Je sais pas, j'ai pas compris. Merci chef. Merci, toi aussi. La famille, je check la GoPro, je sais pas du tout comment ça rend. On va construire la tente le plus vite possible, les mecs. Regardez,
La nuit tombe. Oh là là, comment ça fait peur les mecs. On voit rien du tout, faut que je construis cette tente le plus vite possible. C'est la course contre la montre, Maïji, sa mère. La mif, il fait totalement noir les frères. J'ai changé d'endroit les frères parce que je vous dis la vérité, j'avais aucune luminosité. Pour vous comme pour moi, c'était galère de fou malade. Et là les frères, je vous dis la vérité, avant de lancer la caméra, j'ai mis 30 minutes à la lancer. Bon, il faut pas que j'ai peur les frères. J'essaye de construire cette putain de tente, mais il faut la planter dans le... Il faut la planter dans le truc. Et les frères, j'arrive pas à la planter. Les mecs, je vais vous montrer mon setup là. Kamel m'appelle, les frères. Kamel m'appelle, elle me demande ma localisation, etc. Je peux pas lui donner. Enfin, je lui donne, mais je sais pas si ça s'envoie sur WhatsApp. Elle m'a dit elle veut me rejoindre. Je lui dis Kamel, voilà. Et voilà, les frères, j'ai trop mûr. La famille, je vous dis la vérité, les frères. J'essaye de prendre sur moi un maximum. J'ai super méga peur. Kamel, les frères, elle m'a envoyé tout ça comme message. Envoie-moi ta localisation, Kamis, ouais, je réponds STP. Je suis à côté, voilà, tu vas pas rester seul. En fait, à la base, je devais faire cette nuit avec elle. À la base, je devais faire cette nuit-là avec elle. Vous voyez, tous mes habits-là, je les ai tous achetés en double. La gourde en double, la tente en double. Et j'ai juste tout ça laissé dans le coffre de ma voiture qui est garée. Et le souci, c'est que elle vient, je vais devoir l'habiller et qu'elle revienne avec moi. Mais là, les mecs, je ne bouge pas d'où je suis. Je n'arrive pas. Me lever, mettre la lumière comme ça. En fait, je sais pas si vous avez cette sensation-là. S'il y a un mal, je ne veux pas le voir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. En mode, il y a un truc, je veux pas le voir. Ok, s'il y a du mal là-bas, je veux pas le voir qui reste là-bas. Là, je vais l'appeler. Je lui envoie ma localisation. Allô? Ouais, allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. T'es où? Je suis en 3G 2 bars. Wallah. Ok, vas-y, tu l'envoies. Ok, je te l'envoie tout de suite. Non, mais attends, t'es avec qui? Je suis toute seule, mais je sais même pas comment je vais trouver. Y a trop Camille, Camille, c'est pas comme tu crois. Wallah, Camille, tu vas te chier dessus. Oh, t'as vu, je vais pas te défendre, mon frère. Wallah, je suis en train de me chier dessus, moi aussi. Est-ce qu'il y a une tente et du feu et tout? La tente, j'arrive pas à la monter. Mais c'est pas grave, on va essayer. Le feu, je l'ai pas fait. Vas-y, dépêche-toi. Je t'envoie la loc. T'arrives de combien de temps? T'arrives de. Attends, je t'envoie, vas-y. Je lui envoie la localisation. La famille, Kamel arrive. Rage le bonhomme, mon frère. Il faut que je les. Oh, je rave, j'ai peur de ouf. Hein. Mais c'est pas grave, mon frère. Là, les mecs, le temps qu'elle arrive, je vais aller chercher des petites brindilles comme ça, ok? Je vais aller avec moi, avec ma lampe torche et mes yeux. Chercher des petites brindilles comme ça quand elle arrive. On n'a pas besoin de le faire. Et on prépare le feu instant. Et on se fait à manger tout de suite. Et on. Vas-y, on mange, on dort. Et t'as vu, une fois qu'on dort, frérot, on s'en fout. Il peut se passer ce qu'il veut. On dort, on s'en fout les couilles. La famille, je vous dis la vérité, c'est une galère de ouf de tenir la cam, ramasser et tout. Tout seul, c'est une galère de malade mental. J'ai ramassé tout seul. Et je vous pose là, et là, je les casse. Le temps que Kamel arrive. En fait, je vous explique, il en faut des secs de ouf pour pouvoir l'allumer au feu. Wesh, ou non, rien, c'est du caoutchouc. Ah, si, c'est bon. Ah, en fait, faut faire plusieurs. J'ai capté ma IG. On a cassé les brindilles. Écoutez, je vous dis la vérité, les mecs. J'ai froid un peu. J'ai les affaires à camer avec moi. J'ai le haut, etc. Je vais rentrer dans mon duvet, les mecs, parce que je suis trop KO. Et je vais attendre qu'elle m'appelle. Je vais attendre qu'elle m'appelle quand elle arrive. Prendre dans mon duvet et que personne ne me casse la tête. J'aurais dû prendre une équipe de prod avec moi. Ça aurait été beaucoup mieux. Je vais prendre le duvet à camer en tant que courrier. Et vas-y, on attend. Je vais l'appeler, hein, les mecs. C'est la mif. Je veux bien être le bonhomme. Le je sais pas quoi, mon frère. Tu m'as dit d'aller venir. Wallah, tu as assumé. Par contre, ton Dieu savait pas sonner, je crois. C'est un bug. Mais Kémy, c'est un bug. Elle répond pas. Bien sûr que c'est un bug. 0, 6, 50. Non. C'est un bug, Kémy. Le réseau joue des tours. C'est un bug, Kémy. Tu veux que ce soit quoi de... Oh, tu crois vraiment qu'elle va pas te répondre, frérot? Tu crois vraiment qu'elle. 0, 6, 50. J'ai appelé 2V. Allô? Allô? Ouais. Ouais, allô? Ouais. Tu fais quoi? Chez moi, non. T'es en stream? Ok, les gars, là j'ai envie de chialer ma race. J'ai très très peur. En fait, j'ai mis ma voiture juste à côté de celle de Kémis. J'ai vu sa voiture. Il m'a envoyé sa position exacte. Mais là, je sais pas où il est. Je sais pas du tout où il est. Et j'arrive pas à l'appeler parce que j'ai pas de réseau. Et les filles, wow, ça fait trop trop peur. Je raconte sur toi. Un Opinel. Wallah, sache que je t'aime de tout mon cœur. Au nom de Dieu et. Au nom du Kamel, m'appelle. Wallah, Kamel, m'appelle. Attends, je te rappelle. Voilà, je te rappelle. Allô? Allô? Oui. T'es où? Mais quoi, toi, t'es où, mon frère? Moi, je suis où? Tu. Allô? Ouais, c'est bon. Je suis à côté de ta voiture. Ah bah, avance, la famille. Non. Wesh, Kémis, là, je suis à côté de la voiture, je sais pas où aller, viens. Au nom de Dieu, je m'en bats les couilles. T'as vu, Kamel, je ne vais pas bouger d'où je suis. T'as vu, si je me lève, Kamel, il y a des arbres tout autour de moi. Je ne sais pas où aller, je ne peux pas voir. Avance tout droit. T'as vu le côté conducteur de ma voiture? La porte gauche. Et bah. Les amis, voilà, par contre, je vais vraiment mourir. Kémis, il me dit de le rejoindre. Et ça fait que de couper, il m'appelle. Allô? Allô, pourquoi tu raccroches?
t'accroches. Non, voilà, c'est pas moi. Tiens, regarde, 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 moi je suis venue pour toi. Viens me chercher, s'il te plaît. T'es un homme, tu me laisses comme ça dans la forêt, dépêche-toi. Camé, t'as vu la porte conducteur? Dépêche-toi, hey, dépêche-toi parce que t'as vu, je prends la voiture, je vais partir à l'avenir. Là, je me sens trop mal, dépêche-toi. Dépêche-toi, je me sens trop mal là, je sens une atmosphère bizarre, dépêche-toi. Vas-y, vas-y, mon sou. Je vais me casser. Vas-y, j'arrive, casse-moi les couilles. Je sais pas pourquoi je suis venue. En fait, moi je pensais que j'allais venir et que en fait j'allais venir le chercher et qu'on allait rentrer chez nos mères. Mais là, on va pas rentrer chez nos mères. Pourquoi on est dans la forêt? En fait, les amis, je vais vous expliquer. Tu sens vraiment une atmosphère bizarre. Tu sens vraiment une atmosphère. Putain, je vois rien. Moi je suis venue à cause de Camille, ce chien. J'ai tellement froid en plus, putain. Camilla, calme-toi, c'est rien. J'entendais pas. Là, je me dis que comme je suis en train de filmer, s'il m'arrive quelque chose, au moins ça sera filmé. 1h43, c'est pas le même fond d'écran. J'ai acheté un nouveau iPhone 14 Pro. J'ai pris le 14 Pro. Parce que je me dis, ouais, pourquoi pas le 14 Pro? En vrai de vrai, ça peut être bien de fou. Et comme j'ai le 13 en mode, j'ai acheté une nouvelle puce, tu vois. Et cette nouvelle puce-là, elle me sert de fou. Elle me sert en mode pour mettre mes codes et tout, tu vois. Pour la double authentification. Je me suis souvent fait. Camilla, faut que je cherche Camilla. Ouh là là, j'allais me faire arracher les mecs. C'est la première et dernière fois que je fais ça. Sachez-le. Eh, un sanglier, ça se cache dedans. Moi, je dis, je le vois hop de là. Tiens, elle est à côté de ma voiture. Ma biche! Non! Au nom de Dieu! Voilà, j'ai plus rien. J'ose plus bouger. Voilà. Mon téléphone il sonne. Allô? Oui, je vois ma voiture. Je te vois pas. Je te vois pas. Non, non, klaxonne pas. Mais pas du tout. Pas du tout, klaxonne pas du tout. Rentre dans la forêt un peu. Bah, je peux pas y sortir. Rentre un minimum. Et je vais te voir. De loin, je vois. Il y a un lac à ta droite. Oui, ben c'est là. Kim, mais non, mais rentre, je vais te voir. Je vois la voiture, je ne te vois pas. Je sais pas si elle me voit. Ah, tu me vois? Oh putain, merde. Viens. Oh putain, fais pas de bruit. Viens. Mais t'es obligé, il est là-bas l'abri, mon frère. On va rentrer où? Ouais, j'ai fait tout ça, moi, mon... Vas-y, rentre. Par contre, t'es habillé comme ça. Viens, suis-moi. On rentre en fait, t'as pas compris. T'as pas compris, faut aller à l'habitat. Hey, je suis pas venu ici pour aller à l'habitat, moi je suis pas une. Tu m'as appelé, c'est pour venir. Oui, mais je t'ai appelé pour t'aider, Kémis. Si, on est obligé. Non. On est obligé d'avancer, mon frère. Et t'inquiète, par là, tu vas pas me casser les couilles. Voilà. T'as vu, mon frère, déjà, on est un frère la nuit, moi aussi je rafle, mon frère. Vas-y, suis-moi, ferme ta gueule. Tu m'emmènes ici, en plus, tu me cries dessus. Mais t'as voulu me rejoindre, non? Mais tiens-moi le bras. Et suis-moi, commence pas à faire des manières. Tiens, prends la lampe. J'ai voulu te rejoindre. Prends la lampe. Tu fais exprès pour que je te rejoigne. Arrête. Mais pourquoi arrête de crier? Mais je sais pas, parce que c'est la nuit, il faut pas crier, c'est tout. Non, Kémis, wallah, c'est trop dangereux. J'ai envie de faire pipi, je vais faire. Oh, vas-y, tu vas commencer. Vas-y, tu vas m'expliquer juste comment je vais faire pour faire pipi. T'inquiète, j'ai des toilettes. J'ai installé des chiottes. Mets la lampe un peu partout, on sait jamais, il y a un sanglier. Oh, t'es sérieux ce que tu me dis? Non. Mais il est sérieux ce qu'il me dit? Je rigole, il n'y a pas de sanglier ici. Vas-y, arrête de voir ça par là. Non, ça arrête tout, wallah. On dit là, je m'énerve pour de vrai, au nom de Dieu. Wallah, t'es venu pour casser les couilles, mon frère. C'est bon, si, c'est là. Mon habitat. Oui, Camille, je suis désolé, j'ai pas réussi à monter la tente, wesh. Donne la lampe. Par contre, j'avais une lampe noire et je l'ai perdue, Camille. Wallah, je ne sais pas, je l'ai perdue dans ces sacs là. Ok, mais dis-moi que c'est une blague, je t'en supplie. Non, je rigole pas, par contre. Non, mais t'inquiète, t'as ton duel. Non, mais je rigole pas, y a même pas de tente, wesh. Oui, y a même pas de nourriture, y a une bouteille d'eau qui se bat en duel. Non, j'ai pris une gourde aussi. C'est la lampe, ça. Non, mais Kémis, tu te fiches de moi là? Moi, je peux pas rester ici, je te jure, je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas rester ici, hein, je peux pas rester ici plus de 30 minutes. Hein. Colle ton frein. Tu m'as mis un drap dégueulasse. Colle ton frein à mon front. Mais Kémis. Colle ton frein à mon front. Attends, mais comment t'as fait pour rester ici? Colle ton front à mon front. Comment t'as fait pour être ici tout seul? Tu me connais. T'inquiète pas. Mais Kémis, wesh, tu m'accueilles même pas. Y'a même pas de feu, y'a rien. T'inquiète même pas, wallah, pour toi, j'ai tout prévu, t'es prête? Assieds-toi, je pose la caméra. Ma chérie. Je dois te changer. Ok. Tu peux pas rester comme ça? Non, je peux pas rester comme ça, j'ai envie de rentrer chez moi. Non, mais sans, par contre, 100 degrés, premier, deuxième. J'ai vraiment envie de rentrer chez moi. J'aime pas pourquoi je suis là, voilà. J'aime pas pourquoi je suis là. Tada! Waouh, merci! Tu mets au-dessus, hein? Bah oui, je mets au-dessus. Vas-y. Hey, pourquoi j'ai pris des brindis? Pour faire du fuego, my G. T'as compris? Brindis, my G. Vas-y, accélère, tiens. Pousser au-dessus. Tu vois même pas vous en rendre compte en une seule seconde de où on est. Écoute. C'est prêt pour t'arriver. Arrête de regarder partout. Tu me fais peur. Comment ça, t'as peur? Non, j'ai pas peur. Qu'est-ce que tu racontes? Ok, dis-moi. C'est prêt pour t'arriver? Inch'Allah. Non, mais on sait jamais. Il peut quand même. Enfin, il y a toujours au moins. Est-ce que tu vois quelque chose là?
Arrête de faire est-ce ça. Est-ce que tu vois quelque chose? Ta grand-mère, par non, là. Mais, non mais regarde. Voilà, je vais m'énerver pour de vrai. Mais attends. Parce que j'ai peur et mais je non, montre y a pas. Rien, y a vas-y, rien. Vas-y, vas-y, voilà. Bah, tu sais que ça m'énerve mais de faire comme ça. Voilà. Parce qu'après, c'est toi la première à chialer, mon frère. Au nom de Dieu, donc arrête de faire des blagues comme ça. C'est pas une blague. J'ai dit, est-ce que tu vois quelque chose? On voit oui, rien. Oui, il y a plein de choses dans la forêt, mon frère. Mais c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que tu vois quelque chose? Non, c'est noir. Genre en gros, s'il y a quelque chose, on va pas voir. Au nom de Dieu, c'est ce que j'avais dit. Mais voilà, arrête. En fait, t'as regarde, regarde, il m'emmène ici. C'est lui qui a peur. C'est j'ai pas peur. Moi, quand j'ai peur, au lieu de me rassurer, lui, c'est noir. Ok, vas-y. 2h08, la famille. Ok, vas-y, moi, je te dis un truc. Je vais essayer de monter la tente. Tu peux leur demander, j'étais pas aussi tonique avant que t'arrives, voilà. Ça prouve que t'es un Pepsi dans ma vie. Et moi, je te dis, hein, ma mère, elle va voir cette vidéo, elle va te tuer. Tu sais quoi, te tuer? Elle va dire, t'emmener ma fille à la forêt. Tu penses? Si on meurt avant. Ah, par contre, là, on dirait un film. Vas-y, ferme ta bouche. Les mecs, j'ai pris de l'huile à la fin des entrecôtes. Non, non, Kémis, non, par contre, tu vois là, ça non. Pourquoi? Ça, wallah, je peux pas, wallah. Pourquoi, ma chérie? Je peux pas cuire de la viande alors que Kémis, on est entouré, ça se trouve, il y a des animaux et tout. Ouais, yeah. Ils vont sentir la viande à des milliers de. Bref, ils vont sentir la viande à des dizaines de mètres et on est mort. T'as vu, ça, c'est un danger. Là, je suis là, il n'y a pas de souci, wallah, je peux pas faire ça. Je suis désolée, on peut pas cuire de la viande, wesh. Suivant, on cuit des chamallows. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Camille, il faut que tu écartes tout. Hein. Là, on va commencer à allumer le feu. Juste, il faut que je mette des pierres autour. En fait, le feu, tu l'as trop mal placé, Kémy. Mais on est obligé. Mais le là-bas, il faut qu'on monte la tente. Et regarde, on va dormir ici alors qu'il y a le feu ici. Bah non, on va dormir. C'est ouais. Trop dangereux. Ok, t'as raison. Tu veux que j'enfonce ça? Enfonce juste ça. Ah, mais ok. Mais de fait... manière stratégique. Ok. Faut tourner. Je l'ai fait à l'école des ch'tis. C'est trop bien ça. De quoi? La petite GoPro. T'as vu ça? Du coup, on fait quoi là? On fait rien. En non, fait, non, là, non. C'est... Il faut... Regarde, moi j'ai le cerveau. Toi, okay. Tu demandes juste la force. Okay, tu sais okay. Pas monter une tente. Tu sais que t'as cassé ta tente tout à l'heure. Hé hey, frère, arrête de parler de ma tente. Tu commences à mal le prendre, l'ami. Oh, ok. Une bouteille d'eau. Bouteille d'eau. Hé, hey, bouteille d'eau, force centrifuge. Qui dit bouteille d'eau, force centrifuge, dit quoi? Il dit force de rien du tout. Tu vas juste suivre la seule eau. Non, non, arrête, Kémy. T'inquiète, je. Oh, je gère ma biche. Ok. Elle est où la notice? Hé, hey, tu veux pas, moi je vais faire le feu en vrai de vrai. Attends, ma notice. Oh, en vrai de vrai, va faire ton campement là-bas. Et moi, je reste ici. T'es grave méchante avec moi, l'ami. Ok, on est en train de monter la tente, hein, Kémy. Arrive. Est-ce que tu te rends compte qu'on est en plein milieu non, tu sais quoi, Wallah, je te prends sérieux là, je kiffe ce qu'on fait. Moi, là. Tu te dis ouais. Un truc mmh. Wallah, que je t'aime. Ouais. Moi aussi. Tu sais que moi, Wallah, je suis en train de kiffer ce qu'on fait là. Moi, je te kiffe toi. Oui, mais c'est bon. Ok. Moi, je suis en train de kiffer ce qu'on fait parce que Wallah, t'as vu qu'il me dit, si tu réussis à faire un feu. Moi, je réussis ouais, à faire, voilà. Enfin, moi, je réussis à faire une tente. Je sais même pas comment c'est des souvenirs dans notre vie. Vraiment, là, c'est bon, je reste jusqu'à 7h, 8h, 9h. On reste ici une semaine. Arrête. C'est bon, désolé. Vas-y, les mecs, c'est parti, l'attente. Mais moi, il me faut des outils de merde. Je crois que j'ai pété, mais c'est parce que je stresse. Hein. T'es sérieux, ça te chie, ouais? Ouais, je te jure. Je peux sentir tes fesses pendant que ça pue. J'ai l'enculé, la selle. Bon, les mecs, regardez. Hé hey, ça m'a fait peur. Les mecs, je mets plein de brindis. Ici, les frères. Par contre, faudra que t'écartes ta tente, quand même. Attends, juste. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pété? Non, t'as dit, faudrait que t'écartes ta tente. Non. Attends juste Kémy, s'il te plaît. Oui. Ça c'est quoi ça, hey, ça la putain de ta mère. Tu crois que c'est moi qui ai inventé ça, Kémy? Bon bah les gars là, on est. On est de faire un feu. Tu penses que tu vas réussir? J'ai pas de briquet. Arrête de mentir. Il est là. Let's go. Les gars, qui nous dit que le feu il est ridicule là? Il est pas ridicule là, mais. Mais comment? Déjà, ici c'est mouillé déjà. D'un côté, genre je suis contente de ce qu'on fait parce qu'on pensera sera plus tard. On fait ça chamallow dodo. Hein. Non, ça raconte des petites histoires après. Uh-huh. On se raconte des histoires avant de dormir. Ramène du foin. Allez, ça va s'éteindre, ça va s'éteindre. C'est bien, ma vie, bravo. Oui. Vas-y, il faut des pierres. Il faut quoi? Ça s'éteint, là. Bah oui, ça s'éteint. Ça s'éteint, là. Il faut des pierres, il faut des branches. Ok, vas-y, les gars, moi, je cherche des branches. Bon, là, les gars, on va chercher du bout de bois avec Kémy. Je lui ai dit que j'avais une cachette de bout de bois que j'ai remarqué. Allez, là. Kémy, viens avec moi. La GoPro, je vais te montrer comment faire. Vas-y, monsieur. Mais après, c'est toi qui le fais. Hein. Ouais, t'as fait. Ouais, voilà, c'est bien ça. C'est bon, les gars, on a trouvé un endroit pour prendre des gros bouts de bois. Des gros bouts, hein, on a vu. Hein. Ah, des gros bouts? Oui, oui. Mais non. Regarde là. Regarde celui-là, casse-le. Mais non, mais pas cette merde. Qu'est-ce que tu fais? Mais voilà que ça marche. Ça, faut le casser. Voilà, exactement. Et voilà. Il est un peu mouillé. Ah, ouais, c'est pas grave. Mais prends-le. Voilà. Vas-y Kémy, vas-y, monte tes kills. Vas-y Kémy.
Vas-y, si le feu il va s'éteindre, on l'a laissé tout seul. Kémis, le bouffon. Kémis. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Non, c'est bon, c'est bon. Mais non, c'est pas comme ça. Lève-le vers le haut, lève-le vers le haut. Mais c'est bon, plus ta broche qui sert à rien. Voilà. Kémis, le bouffon. Lâche-moi, toi, hein, je t'ai rien fait. Allez, c'est bon. C'est bon, calme-toi, 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 calme-toi. Suis-moi. Oh putain, frites de chamallow. Ouais. Ça va être trop bon. Ouais. On va les griller, tiens. Vas-y. Début, tu me galères à les faire griller. T'as vu, on a goûté le confort dans nos vies et tout. Hein? Tu sais que là, je suis bien. Non, on est dans la misère, mais je suis trop contente. Tu sais, j'ai réussi. Camille, je me rends compte d'un truc. Goûte. Je me suis brûlée. Vas-y, fais voir. Le feu me pique les yeux. Moi c'est chaud. Aussi. Et moi. Voilà, c'est grave bon. En fait, c'est croquant et ça dégouline. Mmh. Incroyable. On a réussi à faire un petit feu. Bon, et le feu, il doit être très très cancérigène. La vérité, on le sait, les frères. Je dis la vérité, on le sait. On voulait trop faire cuire des chamallows. Mais c'est pour le. Tu connais Good Vibe, même si on bouffe de la merde, mon frère. Tu goûtais ? Mais fais attention, c'est très chaud. C'est normal qu'il soit noir ? C'est pas normal. Non, c'est pas normal. C'est vrai ? Voilà, c'est pas normal. Il était pas assez cuit celui-là. Tu penses qu'il peut nous arriver un truc là ? J'ai l'impression avec le feu, non. Non, mais les gars, je vais vous dire un truc. Voilà, en fait, tu te rends compte que de la mettre quand genre t'es dans un endroit, là, on est dans une forêt. On a même pas de couverture. Il est 4h du matin, je crois. Attends, frère, il est quelle heure ? Il est 3h14, les gars. Et genre, ça, moi, je me mettrai à chaque fois les soirs. Moi, je suis bien parce que je suis avec toi. Genre, tu vois, je serais quelqu'un d'autre là, je serais grave stressée. Donc. Mais t'es con, mais t'es tellement con. On a été enlevé parce que là, il est en train de défoncer les yeux. Mais non, mais t'es con. Voilà, on allait se raconter des histoires. Avec ce feu là, avec ce feu, tu comptais rester encore une minute de plus. C'est ça que tu peux me faire subir. Pourquoi on se raconte des histoires? Regarde, en plus, on nous voit toujours là et c'est encore plus beau. Parce qu'il y a moins de feu et il y a moins de cancer dans ça. C'est encore plus beau parce que je suis toujours là. Mmh. Tu sais, tu es un plus dans ma vie. Mais par contre, là j'ai quelque chose à te proposer. Wallah, tu sais, j'ai quelque chose à te proposer. Vas-y, propose. Est-ce qu'on peut se mettre dans les couettes? Elles ont l'air trop bien et s'allonger. Et ne plus bouger et ne plus dire un mot. Regarde le ciel comme ça. Kimi, j'ai envie de péter. Hein? J'ai envie de péter. Mais pète la mif, c'est la nature. Promis, je suis pas dégoûté. T'es pas dégoûté. Non, jamais, je vais jamais être dégoûté. Ok. C'était un prank, c'était la bouteille d'eau. Et rejette sur la balle, écoute, sur l'objectif. Je peux éteindre le feu parce que l'avenir là, j'ai envie de le frapper là. Non, j'arrive pas, il fait pas ça, mon frère. Tu vas te défoncer déjà, tu vas te brûler, mon frère. Non, je sais comment on va l'éteindre, t'inquiète. J'ai failli vomir. Bah arrête. On va éteindre bien le feu, on va se mettre dans les côtes. Arrête de faire ça. T'as vu, arrête de faire ça. Voilà. Ça le trou du cul, va, tu vois. Bon, la famille, on est posé avec Camé, tranquillou. On a fini de manger. En fait, la vérité. On a fait un petit peu le rangement là. On a tout mis sur le côté pour que ça se retire dans le juvet. Attends, rentre bien dans ton juvet. Vas-y, viens. Mais un peu de force. Un peu de force, ma biche, un peu de force. Oh le Camille. Vas-y, ferme-toi dehors tout de suite là. Eh, je vous jure les gars, ça c'est trop bien. Oh là là, mais c'est trop bien. Bonne nuit la familia. Il est actuellement 3h48. Putain. Moi je vous dis, ça va être impossible de dormir. Je la vérité, on va rester comme ça sur mon téléphone. On n'est pas serein les gars. Quel téléphone? T'as même pas de réseau? Ouais, mais j'ai la 3G et une barre. Je peux poster un petit peu quand même. Je peux regarder quelques stories. Les gars, on est même pas serein en fait de où on est. Je vous dis la vérité. Genre en mode, depuis tout à l'heure on stresse et tout, frère. On entend des bruits. Donc en vrai, moi je suis pas du tout sereine, mais je relativise. C'est bientôt fini, Inch'Allah. On prend le petit déj ici, tranquillou, et après on part. À l'aube, dès qu'il y a le. Je sais pas quelle heure, mais dès qu'il y a le soleil. On prend un petit déj. On attend juste que le soleil se lève et on se casse en fait. On aura fait notre nuit, hein. Vas-y, bonne nuit. Une nuit en forêt. A plus, Maïji. Bisous, priez pour nous. Bon, les fois où il n'y avait pas de micro, chez Camélia, elle a une tête, elle est belle. Je suis au bout de ma vie, je viens de rentrer, j'ai juste envie, c'est mon rêve de rentrer. Non, par contre, fais pas ça, ça c'est pas. Ça c'est pour me dévaloriser. Aïe! Wesh, mon frère. J'ai mal partout, j'en veux plus, wallah, j'en veux plus. T'as une brosse à dents? Non, j'ai pas de brosse à dents. Ouais, j'étais vraiment une merde. Plus de dégueulasse, bah. Moi je sais que je vais pas dormir chez moi, je prends une brosse à dents. On a même plus d'eau. Il y a une rivière, wallah, il y a une rivière. Mais tu crois on va aller dans la rivière ou quoi? Mais on va aller dans la rivière. Mais pas du tout, t'es un malade. Vas-y, rire. Par contre, tu es trop fort. T'as faim? Tu veux on mange? Vas-y, regarde, on mange ou pas? Oui, je t'en supplie. Là, c'est le gel.
C'est des orties, c'est bon. Des oies, pardon. Tu veux quoi? Sur ce pied, on mange, on a le droit de faire une exception, les gars, ne vous en voulez pas. On a souffert toute la nuit, surtout moi, j'ai souffert. Je me réveillais toutes les deux secondes, je voyais qu'Emile s'est dormi profondément, on dirait qu'il était dans le lit de sa... Tout dans le paraître, voilà. C'est que le paraître, là, voilà. J'ai pas dormi de la nuit pour te surveiller, ça, je... En tout cas, là, j'ai trop faim, on dirait que je vais manger depuis un mois du ramadan. Vas-y, tu me fais confiance? Non. Bah vas-y, t'en foutre, juste quoi, mon frère, voilà. S'il te plaît. Moi je dis on fait une petite triche. Bah fais-moi confiance, dis-moi oui je te fais confiance. Oui je te fais confiance. Ok c'est bon. La famille, depuis tout à l'heure voilà on croise plein de cyclistes mon frère. Ils doivent dire c'est des malades mentaux. Regardez, on a plus d'eau hein. On a plus d'eau. Regardez, il y a des gens qui font des photos. Et bref, il y a un lac. Et moi je voulais emmener Camille ici, qu'on prenne le petit déjeuner ici. Je vous dis la vérité, je vais aller acheter des trucs. J'ai pas prévu pour le petit déjeuner. On est vraiment dans la pure forêt, on va aller acheter à manger. Enfin je vais aller acheter à manger. Donc oh Allah les frères, vas-y moi je suis un mec, je m'en bats les couilles. Mais ma chérie, elle a été super courageuse. Je suis KO, je vais rentrer chez moi, je vais dormir. Ma chérie, elle a été super courageuse et je vais lui faire plaisir. Voilà, je vais lui faire plaisir. Je sais pas où on va se poser, mais je vais lui faire plaisir. Et comme ça, elle va être contente. Ok. Je fais une transition les frères. Vous savez comment faire plaisir à Camille hein. Je pense que vous le savez mieux que moi maintenant. Vas-y, à tout de suite amis. Bon, yo, je vous dis la vérité, yo, on va se clôturer sur ça. Yo, vas-y, ferme. Yo. Oh. Ouais, les gars, je suis. Non, ça, c'est un manque de respect. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est vrai, voilà. Eh, ouais, les mecs, on avait un débat avec Camilla en 2-2. Hein. On disait, il y a les chasseurs. Mais en mode, les chasseurs, yo, ils chassent les sangliers. Donc, yo, Camilla, si elle va dans la forêt. Combien de chances de survie? Dis dans les commentaires. La vérité, moi, je pense, j'ai une chance de 8 sur 10. Toi, je pense. Non, toi, que... toi, ils vont te confondre avec un cochon. Avec ton nez. Si ils me confondent avec un cochon, ils vont te confondre avec un. Ouais, bah moi je pense j'ai peut-être 2 chances sur 10. Non. Ah, non, parce que je pense, en fait, sur le coup, ils vont rien faire. Parce qu'ils vont dire, what? Ils vont sortir la nourriture à moi de manger la nourriture. Ils vont dire, une vache dans une forêt, c'est improbable. Ils vont s'approcher de toi. Mais justement, ils vont dire, on a trouvé le jackpot. Et en plus, ils vont voir tout ce que j'ai à l'intérieur de moi comme nourriture. Vas-y, arrête, tu me disais, frère, là. T'es un malade, toi. Quoi? En mode coca. Il y a des gens. Non, commence même pas. T'as réglé tes soucis d'hémorroïdes, Camélia? Camélia! Arrête, là, t'as vu, ils sont là visiblement, arrête! Camélia! Ils sont pas là pour entendre des bêtes comme ça! Camélia! Toi! Oui! Mais t'as pris les médicaments! Les gélules, Camélia! C'est bon! Ouh. Même pour les poissons! Pour les poissons, on leur donne ça ou pas? Non! Pourquoi? Ça peut s'étouffer, ils sont peut-être trop gros, voilà! Si, les oies, ils mangent ça par contre! Y'a pas des cordes! Ils mangent pas, mais ils sont là! Y'a pas des cordes! Oh, nous, on va les appeler! Chut! Ahmed! Mais comment t'as pris? Ahmed, viens là! Il arrive, voilà, il arrive! Au nom de tu rigoles, mais par là, il arrive! Au nom de Dieu, il arrive! Comment t'as appris à parler, à être drôle? C'est mon père! Attends, parce que là, je crois que vous êtes en train de faire hack aussi derrière votre écran, on va sur moi! Ou une patente qui est là-bas! Voilà, les bois! Bon, les gars! Wesh! A de prochain pour de mauvais tours! Bisous, surtout pour de nouvelles aventures sur là. Arrête ta main. Et félicitez-nous parce que là c'est vraiment un grand pas que vous avez envers Dieu. Mais...